d'ailleurs, cette assemblée plénière a été vraiment passionnante puisqu'on a abordé des thèmes qui me sont chers en tant qu'enseignante, notamment tout l'aspect sanitaire et sécuritaire au sein des lycées. Et c'est vrai que toute cette politique qui est mise en place par notre président Carole Delga va contribuer justement à faire que nos lycéens puissent travailler dans des conditions déjà davantage sécures, on va dire, de par les investissements qui sont faits au niveau des lycées. Et puis, bon, toutes les mesures qui sont mises en place, c'est-à-dire les 22 millions de masques qui sont distribués, à la fois chez les petits, hein, chez les 6 ans jusqu'à 11 ans, et puis au niveau des lycéens, de par les dépistages aussi qui sont faits en partenariat avec la Croix-Rouge et l'ARS, de façon aussi itinérante, de par les tests aussi antigéniques au niveau des lycées. Voilà, donc tout ça va contribuer en fait à sécuriser les enfants et faire en sorte aussi que les parents soient rassurés, du moins dans cette période très incertaine. Et cette plénière aussi était très intéressante puisqu'on a abordé alors le Green New Deal, donc ce projet de transformation et de développement de cette société qui est en pleine mutation et on le voit. Et je dois dire aussi que ce soit au niveau écologique ou que ce soit par exemple avec la création de cette plateforme aussi qu'on a mis en place où on sent qu'il y a une vraie mutation qui s'opère au niveau des commerces avec le e-commerce, donc tout l'aspect numérique qui est développé, c'est vraiment dans l'air du temps et on avance vraiment d'une façon sûre et certaine, voilà, pour préparer au mieux ce qui va se passer dans les années à venir.